met zijn rijstijl en had een exceptioneel uithoudingsvermogen. Zijn levensstijl was minstens zo opzienbarend. Hij kon doorfeesten tot het ochtendgloren om vervolgens op zijn fiets te stappen en de koers te winnen. Cinq Tours de France. Le premier gagné à 23 ans autant les équipes nationales en 1957. Le second en 1961 et 4 années d'affilée. C'est l'ère Anquetil. 5 fois il gagne Paris-Nice, 2 fois le Critérium du Dauphiné. Anquetil s'impose également à l'étranger. Il gagne le Tour d'Espagne et à 2 reprises le Tour d'Italie. Mais son vrai royaume est la course contre la montre. 9 victoires dans les nations, 7 à Lugano, 5 à Genève, 3 dans le trophée Baraki, 2 records de l'heure, tout cela est vrai. Un détail près, Jacques Anquetil n'a jamais levé les bras. Ou si peu, le 20 juillet 57 au balcon de l'équipe, après son premier Tour de France. Juillet 56, de retour de Milan, il vient de battre le record de l'heure. Août 53, il a couru 122 km à plus de 42 à l'heure. On touche du doigt le phénomène. Le prodige éclate à 17 ans en 1951 à Sotteville, près de Rouen. Il a son maître, André Boucher. Il a son club, l'autocycle Sottevillais. Il a son mode d'entraînement, la course derrière un cyclomoteur, le dernier. Il a son terreau, les vallons et les plaines de Normandie. Il a son mentor, Francis Pélissier, dit le Grand, une nature qui savait boire un litre de rhum et gagner Paris-Tours. La perle est maintenant son équipe, elle devient la fierté des Anquetil. Dans la ferme de Quincampoix, Pélissier est venu apporter d'autres coupes, d'autres horizons, l'aventure commence. Le Grand Prix des Nations est le championnat du monde des courses contre la montre. C'est la course la plus dure du monde, s'écria Faustocopi, puis il s'écroula. 27 septembre, le môme a 19 ans. Avec M. Francis, il relève le défi. La distance est dissuasive, 140 km. Le môme la survole. Il se déchaîne dans le final après 3h30 de lutte, laissant le dernier à près de 25 minutes. 140 km à l'époque, à cette moyenne-là, à 19 ans, c'était quand même quelque chose de phénoménal. Le drôle de couple se retrouve un mois plus tard à Lugano. La course est diluvienne, jamais un Français n'a gagné. Le môme ne fléchit pas, il se déchaîne encore dans le dernier tour. La foule ne comprend pas. Ce gamin aux airs de tuberculeux serait le coureur le plus puissant de son époque. Un mois plus tard, le môme est invité au trophée Baraki. À Bergame aussi, on touche maintenant du doigt le phénomène. L'équipe souveraine est celle de Coppi et Filippi. Contre la montre, Anquetil fait tandem avec Antonin Roland. Mais au bout de 30 km, celui-ci rend les armes. Il n'y a plus qu'un seul relayeur, le môme Anquetil. Coppi et Filippi gagneront encore. Les Français terminent deuxième. Jacques m'a assassiné, s'écrie Antonin Roland. C'est le plus formidable rouleur que j'ai jamais vu. Le regard de Coppi confirme.
C'est en novembre 1953, à Novi Ligure, dans la maison de Coppi, qu'a lieu le passage du témoin. Cavanna, le soigneur aveugle, a ausculté Anquetil. Le verdict tombe, la France tient son campionissimo. Les deux hommes se retrouvent en novembre pour le match France-Italie. Leur affrontement se poursuit sur la piste du Veldiv une dernière fois. Coppi sentait que c'était son rival. Et dans un Paris-Nice, c'est vous dire au point où il craignait, Coppi a vu arriver cet inévitable affrontement. Il n'a pas voulu. Anquetil ne ménage pas son idole. Le 30 juin 1956, il dépossède Coppi de son record de l'heure vieux de 14 ans. Après une nuit passée dans une boîte du lac de Côme, il crève le mur du son cycliste en dépassant les 46 km/h. Anquetil a 22 ans et déjà sa légende est forgée, celle d'un rouleur hors norme qui défie l'explication. Lui, ça a été un cas. Et c'est un cas à part qui n'a rien à voir copié avec Bobet, avec Hino. C'était Jacques Anquetil, pièce unique. C'était une pièce unique. Anquetil était ailleurs. Anquetil, ça a été une étoile. L'œuvre de Jacques Anquetil se bâtit dans la course contre la montre. Elle s'inscrit dans un cadre précis, le Grand Prix des Nations. Dans les côtes et les descentes de la vallée de Chevreuse, Anquetil court à nouveau en 54 et disputera encore une neuvième fois en 66. Vous savez, les Nations, pour moi, c'est très vague, c'est toute ma carrière, c'est mes débuts, parce que je crois que c'est en 1953 que j'ai été révélé au grand public. Je pourrais dire que les Nations, c'est presque toute ma vie. Anquetil ne sera jamais battu dans les Nations. Il court seul contre lui-même. Dès le départ, il conçoit ses participations comme un ensemble. Chaque année devra apporter une touche nouvelle. À chaque fois qu'il participait à ces Nations, il voulait pouvoir, l'année suivante, battre son record. C'était un tableau de marche, quoi, qu'il s'était fait. Il n'y a plus d'enjeu, et pourtant des foules immenses jalonnent la vallée Anquetil. Elles applaudissent le travail de l'artiste. Anquetil ouvre les années 60. Lancé sur un vélo, il est une forme nouvelle, une forme ronde, tandis qu'apparaît le design. Tout est mystère dans le style d'Anquetil. La position en neuf, l'unité absolue du mouvement. Anquetil ne se déhanche pas, il ne tire pas sur le guidon. Anquetil chatouille les pédales, il enroule de la pointe du pied. Je n'ai jamais vu quelqu'un pédaler comme ça. Jamais. L'œil est fixe, Anquetil a vu devant lui l'adversaire. Des types qui se défoncent, plus puissants, qui prennent 10 ans d'un coup. Et vous voyez un mec qui arrive comme ça, dans le vent, sans broncher, presque en sifflotant, qui vous laisse sur place. Il est moins costaud physiquement, il est moins impressionnant. Il a un bras qui est deux fois plus important que vous, et il vous laisse sur place. Et c'est Anquetil qui passe. Le 13 juillet 1962, ce jour-là, Antonin Magne dira à Poulidor: regardez, Raymond, la caravelle qui passe. Mystère de cette puissance dont on ne voit pas l'origine. C'était pas un athlète, Jacques. Il avait des jambes, des petites cannes de serin, mains. Je me dis, mais où il va trouver la force de tirer des braquets énormes? Car à l'époque, il tirait déjà des braquets énormes. Il était physiologiquement anormal. Anquetil, pour moi, c'est un des secrets de la génétique. C'est un des miracles, un des mystères de la génétique. On disait qu'il faudrait regarder et faire une autopsie du corps d'Anquetil. Je suis sûr que les savants seraient surpris de savoir ce qu'ils pourraient y découvrir. Ce n'était pas un cas qui était commun. Le mystère est pluriel. Il avait un cœur, des reins et un foie capable de tout encaisser. Le cœur d'abord. Celui d'Anquetil est le plus gros des sportifs français.
En régime de forme, ce cœur bat à 33 pulsations minute. Ce cœur énorme impose un rythme régulier. Il ne supporte pas l'accélération brutale. Anctil est d'abord une cadence. Il ne lâchera jamais l'adversaire sur démarrage. Il se détournera des classiques. La machine Anctil est un 12 cylindres qui roule à 160. Il tourne à 3000 tours, efface les obstacles et ne fatigue pas. Mais le vrai mystère, Anctil le porte dans le dos. Moi, je pense que le mystère, c'est qu'il avait des reins formidables qui lui permettaient d'enrouler. Sur la table de massage, sur le ventre, on voit la courbe, si vous voulez, entre le dos et les fesses. Mais lui, il n'avait pas de courbe du tout, c'était plat. Il avait donc des reins formidables. Anctil fait le gros dos. C'est mauvais signe pour l'adversaire. Courir pour un palmarès, pour la beauté du sport, cela ne suffit pas aux jeunes professionnels. J'étais aussi amateur avant d'être professionnel. Mais maintenant, il y a trop de sacrifices à faire dans le sport, quoi qu'on en dise, pour courir pour des médailles. Un champion en sabot, tel est bien le jeune coureur professionnel. À Quincampoix, la maison familiale ne possède pas l'eau courante. Jacques doit aider son père à la récolte des fraises. En se baignant au bord de la Seine, il a découvert une autre vie. Il veut sortir de sa condition, son don et son capital. Il l'exploitera comme un paysan, avec prudence, afin d'abord de maintenir sa cote. Être premier suffit. Anctil gagnera de quelques secondes à l'économie. Il ne veut pas brûler ses cartouches. Lui, ce qu'il voulait, c'est durer. Il voulait durer. Jacques, il a duré quand même de 51 jusqu'en 69. Et dans toute sa carrière, il n'a eu qu'une fêlure de clavicule. Courir, mais en même temps profiter de la vie. Le bon moment compte autant que la grande victoire. La vie doit être une fête. Anctil, c'est un alambic. Dans les reins, il a une fusée. Et dans la tête, il a un ordinateur. Anctil sera champion à sa manière. Jamais il n'en dérogera. Il voulait bien gagner, mais il ne fallait pas que ça lui coûte de trop. Il ne fallait pas que ça déroge de trop dans sa façon de vivre. Parce qu'il entendait vivre comme tout le monde. Et il voulait être le super champion qu'il a été. Chose que les autres n'ont pas pu faire. Quand apparaît Anctil, le cyclisme français est dominé par Louison Bobet. Il est la grande figure, héroïque, responsable. Bobet gagne son troisième Tour de France en 55. Toute la France de la reconstruction se reconnaît en lui. Tout le monde vous dira que Bobet, c'était un honnête travailleur qui faisait des sacrifices incroyables dans sa diététique, qui voyait pas sa femme pendant des années, qui se couchait à l'heure, qui avait un kiné, qui mangeait, qui buvait pas n'importe quoi, qui a souffert sur le vélo, qui était moins doué que les autres, qui avait des furoncles à des endroits mal placés quand les autres n'en avaient pas, et il gagnait au courage. Anctil, le jour où je l'ai rencontré, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est ce mec qui a fait cette carrière. Au volant de sa Simca Châtelaine, Anctil quitte Rouen dans la nuit. Il arrive à Bergame pour le départ du trophée Baraki, une demi-heure avant le départ de la course. Fureur de Bobet, il est sur place depuis 4 jours à s'entraîner. Le tandem Coppi-Filippi ne sera pas encore battu. La nuit blanche n'a pas émoussé les relais d'Anctil, mais l'équipe ne se connaît pas. Les Français arrivent second à Milan. Ils n'échangent pas un mot. Ils se détestent cordialement. C'est sûr qu'entre eux, le courant n'a jamais passé. Mais jamais il n'a pu passer. Et je peux vous dire également que Louison n'aimait pas Anctil. Parce qu'il avait trop d'aura, il avait trop de facilité. Anctil est consterné par la diététique de Bobet. Bobet trouve son bonheur dans sa condition de champion.
Anquetil ne supporte pas cette prison, il a besoin de s'évader, il lui faut partir ailleurs. Il aimait la vie. Il voulait la vivre à toute pompe. Ah oui. Jouer au tarot, au bridge avec ses amis jusqu'au petit matin. Puis courir, gagner la course du lendemain. Voilà qui a de la classe. Voilà qui mérite qu'on s'y emploie totalement. Il faut surtout avoir envie de se battre. Et moi, si je suis une discipline, trop dure discipline, je n'ai plus envie de me battre en vélo. Alors ce n'est pas la peine, il faut que je vive normalement. C'est-à-dire que quand lui, il avait fait un petit écart de régime, je pense que dans la course, il se faisait plus mal. Il savait qu'il faisait une faute, il savait qu'il se faisait un plaisir, mais le lendemain, il était là parce qu'il savait qu'il était courageux. La souffrance et le plaisir, l'un appelant l'autre. Anquetil balance sans cesse entre ces deux pôles. Jamais il ne fait les choses à moitié. Lui, je l'ai vu manger. Et puis attendez, c'était... Hein, le normand, le paysan normand de la terre, du consistant. Et les trois plats de viande, et le cidre bouché, et le calva, et l'alcool, et le vin, et le champagne, et le trou normand, tout. Et le petit alcool pour terminer. Un coureur cycliste au fait de sa gloire. L'histoire de la bonne table, l'histoire de la bouteille de champagne, l'histoire du bon vin, l'histoire des bons repas, c'est vrai. Cette méthode Anquetil, le tour de Sardaigne en fournit la meilleure illustration. Le matin, je partais de l'hôtel et j'allais découvrir une trattoria, un restaurant sympathique. Là où il y a eu du poisson quand on était bord de mer. En montagne, il adorait le chevreau. Chevreau, pommes de terre. Bon, il dit, ah, Jacques, ce soir, j'ai un poisson extraordinaire. Ah ouais? Et où, là, dans un petit truc formidable, tu verras un coin de pêcheur, du tonnerre. Ah bon. Et il courait avec un plaisir évident. Et puis le lendemain, on est en montagne. Ah Jacques, alors là, je t'ai trouvé un petit restaurant, je te dis pas, du feu de Dieu, avec un vin formidable. Et il y a un chevreau, mais tu vas voir, extraordinaire, ils font dans la bouche. Oh, c'est pas possible, vivement ce soir. Et de jour en jour, on a fait de gueuleton en gueuleton. Et à la sortie, à l'arrivée à Sassari, qui c'est qui a gagné le tour de Sardaigne? C'est Jacques Anquetil. Je l'avais tenu par la bonne table. Je cours pas, enfin, il faisait des trucs comme ça. Hein. Si vous voulez pas qu'elle vienne, bon, ben, il avait dit à M. Boucher, et puis à son. Ben, si vous voulez pas, je reviendrai plus vous m'entraîner. Voilà. Il était comme ça, hein, catégorique. Ça me fait toujours plaisir quand elle est à côté de moi, même dans les courses à étapes, parce que quelquefois, le directeur sportif est difficile à admettre, mais enfin, c'est encore une chose qui est valable peut-être pour moi, qui n'est pas valable pour tout le monde. Elle est là après l'effort dans la chambre du coureur. Jacques oublie la vie de champion. Il reste un homme, il reste en vie. Jeannine était son manager. À la maison, elle s'occupait de tous les problèmes d'intendance. Jacques était un bébé. À 23 ans, Anquetil découvre le Tour de France. Il est encore Jaco le Tendre. Face à Nencini qui vient de gagner le Tour d'Italie. Le voici dans l'équipe de France où il doit gagner son statut de leader. Darrigade, le fidèle, est là pour gagner des étapes et guider son ami Jaco.
La victoire d'étape, Anquetil la veut dès le troisième jour. L'arrivée a lieu chez lui, à Rouen, devant les siens. Il part aux 500 mètres, l'affaire est entendue, il donne la victoire à la Normandie. Alors, ce premier Tour de France se passe bien, en somme. Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. C'est ça, vous trustez absolument les victoires. Bah oui, pour l'instant. Mais je souhaite que vous continuiez. Merci, on va essayer. Bravo, Jacques. La chaleur cet été-là est caniculaire. Elle éprouve les organismes. Le goudron colle au boyau, Anquetil se réjouit. Détester le froid, détester la neige, c'est bizarre parce que c'est un Normand. Mais il aimait la chaleur, comme une douane. C'était un chameau, un dromadaire, 200 km sans boire dans la journée. Un bidon de thé. Sur la route de Charleroi, il est l'homme le plus frais du peloton. Il déclenche l'offensive, roule à fond sur les pavés de Courtrai, offre à Gilbert Bovin la victoire d'étape et endosse son premier maillot jaune. Anquetil n'a jamais franchi les Alpes. Dans la vallée de la Maurienne, il apprend la leçon. En bas du Galibier, on offre aux coureurs des bidons de champagne. Marcel Bidot, le directeur de l'équipe de France, voit avec consternation Forestier et Anquetil sacrifiés à Bacchus. La pente augmente. Nencini s'échappe avec Janssens. Il creuse l'écart. Le peloton est à 5 minutes. Forestier, le nouveau maillot jaune, est à la dérive. Il tangue comme un pilier de comptoir. Anquetil, lui, se sent des ailes. Le champagne est son ami. Il s'élance seul derrière Nencini. Dans les 4 derniers kilomètres, il lui reprend 2 minutes. L'Italien arrive en haut du col. Anquetil roule sur ses talons. À Briançon, il a encore réduit l'écart. Le voici à nouveau maillot jaune, il est leader de l'équipe de France. Anquetil a survolé les Alpes, les Pyrénées seront une formalité. Dans l'étape des grands cols, il va côtoyer le gouffre. Pourtant, dans le Tourmalet, tandis que s'échappent Dotto et Lorono, il soutient le rythme, passe avec 50 secondes d'avance sur Nencini. L'Aubisque. À 4 km du sommet, la défaillance soudaine, totale. Le voilà qui mouline son braquet de 26 dents. Janssens est parti et grignote ses 12 minutes d'avance. La foule a compris. Elle exhorte Jaco le courageux. Il s'arc-boute et gagne le test décisif, celui du courage. Il offre à son père la victoire du Tour. Puis le mariage à Janine pendant l'hiver. À Saint-Gervais, en décembre, le mois des vacances pour un champion, celui du voyage de noces. Le couple jette l'ancre à Saint-Adrien, à 8 km de Rouen, dans une maison 1900 surplombant la Seine. 5 ans de carrière, Anquetil a réalisé son rêve d'adolescent. Il vivra 10 ans à Saint-Adrien, le camp de base des années à venir. Un nom bientôt célèbre à travers l'Europe. Cette année, je crois que je fais un gros effort à tout point de vue, dans l'entraînement, régime, et je crois que ça devrait réussir. Enfin, je suis très satisfait de mon début de saison et je vise particulièrement maintenant le Tour d'Italie et les championnats du monde. 3 juin 60, Charlie Gaulle poursuit sa deuxième victoire dans le Tour d'Italie. Mais derrière lui, la machine est lancée. Anquetil, ce jour-là, de Sérigno à Lecco, roule à bloc pendant 68 km. Il laisse Gaulle à plus de 6 minutes, s'empare du maillot rose, il est l'idole de l'Italie. Ils ont vu dans Jacques la suite de copies. C'est vrai, les gens se baissaient, embrassaient les pas où Jacques passait. Hein. C'est fou.
Ici, dans l'avant-dernière étape, se joue le Tour d'Italie. Sur cette route de muletiers qu'aucun coureur n'a jamais franchie, où Charlie Gaulle s'avance en éclaireur, n'ayant pas renoncé à la victoire. Derrière lui, ce coureur minuscule qui roule au pas, c'est Jacques Anquetil. Il a lâché Nencini et mètre par mètre sur le sentier de terre arrache la pente à 22%. Et voici Nencini, et puis la confusion, le scandale. Anquetil a crevé. On empêche son mécanicien de le relancer. On pousse au contraire Nencini. Porté à bout de bras, l'Italien n'a plus à pédaler. Il vole vers le sommet. Il prend 3 minutes à Anquetil. Nencini est le meilleur descendeur du monde. Il va gagner le Giro. La colère d'Anquetil l'en empêche. Elle explose dans une descente en trompe-la-mort. Anquetil ne tombera pas dans le vide. Le lendemain à Milan, il entre dans la légende. Il est le premier Français vainqueur du Tour d'Italie. La montagne qui chaque année répare. Anquetil prend ses quartiers d'hiver face au Mont Blanc, à Saint-Gervais, où il possède un chalet. Mais sur deux planches, Anquetil a perdu sa magie. Il prête à sourire. Son unique affaire est le vélo. Il n'est doué pour aucun autre sport. L'ère Anquetil commence. Avant le tour, il a annoncé le défi. Prendre le maillot jaune le premier jour, le garder jusqu'au dernier jour. Nul n'y est parvenu. Dès le départ, sur les 27 km contre la montre de Versailles à Versailles, il est exact au rendez-vous. Il prend 3 minutes au second Albert Bouvet, s'empare du maillot, il doit maintenant le garder 21 jours. Ce sont, cette année-là, les coureurs du Tour aux yeux de Jacques Godet, le directeur de l'épreuve. Sur le plateau de Superbagnères, ils se tassent sous la tourmente. Il n'y aura pas de bataille des Pyrénées. L'Italien Massignan a renoncé aux assauts, ainsi que Manzanek, Junkermann. Anquetil sur le qui-vive les a étouffés. 10 fois également, il a contré Charlie Gaulle. Mais on lui rentrait dedans du premier au dernier kilomètre. Et Anquetil en défense était merveilleux à avoir travaillé. Mais ce travail n'était pas apparent. Anquetil est désormais Maître Jacques. Il est le patron du peloton. Il a fait toute la course en jaune. Il a relevé le défi. C'est lui qui pénètre le premier au Parc des Princes. Une nuée de sifflets l'accueille. On conspue celui qui a écrasé l'épreuve, privé le tour de son émotion. Anquetil ne lève pas le bras. La blessure est profonde. Épuisé nerveusement, il s'isole à Saint-Adrien. Jaco l'insouciant est mort. Désormais, Anquetil restera cuirassé devant le public. Mais il a pris son bateau sifflé. En revenant, la première chose qu'il a pris, une bouteille de champagne, quand c'est sur le bateau, elle est sifflée. C'était Jacques, là. Mais il avait de la peine, là. Là ça lui... Il demandait ce qu'il fallait faire pour être populaire. Pour moi, c'était le 61, la fin 61, ça a été le plus dur. Hein. Oui, parce qu'il était, au point de vue nerveux, il supportait plus personne. Il supportait que moi, mais parce que moi, parce que je me faisais engueuler à tout bout de champ, quoi. La série noire se poursuit l'année suivante. Anquetil souffre d'une hépatite virale. Eh bien, je ne sais pas. Toutes les nuits, je perdais régulièrement 3 kilos. Je faisais 71 kilos le soir et le matin, 68 kilos. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi. J'étais couché, j'étais au lit. Je ne pouvais même pas aller faire un tour de jardin, alors que moi, habituellement, quand je suis dans un lit, je ne peux pas y rester, à moins d'avoir évidemment la jambe cassée. Mais là, j'ai une transformation depuis dimanche et devant les progrès depuis 2 ou 3 jours, j'ai décidé de faire premièrement 30 km, ensuite 100 km, et là j'ai décidé de participer au Dauphiné libéré. Jusqu'au bout de la nuit, Anquetil refuse d'abandonner le Dauphiné. Il terminera frissonnant de fièvre. Un mois plus tard, le voici dans le Tour de France. Geminiani a dû signer une décharge auprès du médecin du Tour. Sa présence suscite l'ironie du peloton. Il n'est plus l'homme fort.
Dans son équipe, c'est désormais Rudy Alti qui gagne 2 étapes en 3 jours. Puis c'est un nouveau venu, Raymond Poulidor, qui fait son premier Tour de France et montre sa classe dans la Chartreuse. Anquetil est un homme de rendez-vous. Pendant l'hiver, il avait pointé la carte « Je prendrai le maillot à Lyon à 2 jours de Paris ». Le jour dit, l'hépatite est vaincue. Entre Bourgoin et Lyon, la machine livre un de ses plus fabuleux récitals. Poulidor se bat avec toute sa classe. Mais en vain. Gilbert Desmet, parti 6 minutes devant, voit s'envoler la caravelle. Anquetil gagne son 3e tour à Lyon, au jour et à l'heure qu'il avait choisi. Gagner contre la montre, ce n'est pas seulement l'obsession du champion, toute la vie de l'homme s'y emploie. Anquetil est un homme temps. Quand tu donnais rendez-vous à Jacques, tu ne disais pas à midi, à 1h, à 13h ou à 20h. Non. C'était à 17h46, pas 45 parce que c'est trop juste. Hein. 46. J'ai vu arriver à la maison 4 minutes avant l'heure que j'avais dit à maman de venir. Et on est resté devant le garage 3 minutes hein, pour rentrer pile à l'heure. Et là, c'était midi 4 ou midi 5. Midi 8 ou quelque chose comme ça. Et on est arrivé à midi 5 à la maison, on a attendu 5 minutes devant la porte avant de rentrer au garage. Il y avait mon chien qui gueulait, qui nous avait reconnus, mais bon, rien, on était là, dans la voiture, et on a franchi le garage, à leur pile. Bah, c'est l'impression qu'il avait sûrement très peur de... Comme il avait très peur de la mort, comme il avait très peur de tas de choses, il luttait contre le temps, je pense. Automne 63, il rentre de Nouvelle-Calédonie, ayant appris la mort de son père. Et dans l'avion, Jacques me dit, tu vois, mon père est mort à 56 ans, et maintenant, nous, j'irai pas jusque-là. Il me réveillait de la nuit, des fois, en me disant, oh, dire que dans un an, on sera peut-être plus là, dans 3 ans, on sera plus là. Il avait très, très peur, très, très peur. Je pense que c'était ça qu'il a, il voulait aller plus vite. Je pense qu'il avait peut-être sa destinée qui était là. Oui. Il avait peut-être pensé qu'il allait mourir et qu'il fallait qu'il fasse vite. Elle ouvre le tour 64 et lui donne l'allure d'un cauchemar. Il y avait un gars que je qualifierais de fumier, de pourri, de saloperie. Il n'y a pas de mot, de qualificatif. Jacques Bellim, qui était soi-disant un mage, qui raconte dans François, Jacques Anquetil va se tuer dans le Tour de France au cours de la 13e étape. Cette année-là, dans les Alpes, Anquetil est l'ombre de lui-même. À l'épuisement d'une nouvelle victoire au Giro, s'ajoute le fardeau de la prédiction. Ses adversaires sont les mêmes, Bamontes et Poulidor, qu'il avait dominé l'année précédente. Et puis, il y avait les supporters de Poulidor, qui lui envoyaient des centaines de lettres, avec la coupure du journal, en disant, tiens, tu vas débarrasser le plancher, vivement que tu... Ça allait se nicher jusqu'à là. Anquetil, l'invulnérable, est un coureur inquiet, superstitieux. Tous les soirs, il me disait, Lanou, encore une journée de moins. Lanou, encore une journée de moins. Appelle-moi demain matin. Et tous les deux fois par jour, avant que je parte, le soir, quand je rentrais, même à 11h du soir, il fallait que j'appelle en me disant, encore un jour de moins, encore un jour de moins. Le 4 juillet, le Tour fait escale à Andorre, au seuil de l'étape fatidique. Alors là, je le repos. Ça a été le jour le plus long. Hein. Parce que Jacques Anquetil, pour la première fois, refuse de s'échauffer. J'ai amené au départ un coureur comme on amène un condamné au peloton d'exécution. C'était pareil. Dès le début de l'étape,
Une difficulté majeure, le col d'Envalira aux pentes à 16%. Anglade, Bahamontes, Jiménez, Polydor placent une attaque. Il lâche après 500 mètres, du jamais vu, de l'impossible, de l'incroyable et du réel. Anquetil ferme la marche, il s'accroche à Rostolan. Et les autres, quand ils l'ont vu lâcher, ça a été la curée. La victoire du Tour s'ouvre à Polydor, c'est maintenant ou jamais. Quand il plonge dans le brouillard, Anquetil a plus de 4 minutes de retard. En haut de Envalira, il est pratiquement à près de 6 minutes de retard. Donc le Tour est perdu. C'est fini, c'est foutu. Anquetil ne veut pas abandonner. Il est le dernier homme du Tour de France. Et là, j'en peux plus. J'ai une réaction. J'arrive à lui, je suis en pétard, il dit « Jacques ! Non, mais non, Jacques ! Tant qu'à mourir, bon Dieu ! Mais va mourir en tête ! Mais ne meurs pas devant la voiture balai ! » Et j'ai gueulé plus fort que ça, forcément. Et alors là, chose extraordinaire, il y a Jacques qui regarde et il se met à rire. Là, c'est là qu'il a dit « Bon, alors c'est lui ou moi ?» Un duel privé s'engage, Anquetil contre le mage. L'angoisse de 15 jours le précipite dans une plongée à tombeau ouvert. Et là, il m'a passé des gardes à des petits bombes, si on s'en... Et moi, je voyais bien, au nom de Dieu, ça en fait un paquet. Félix et Vitin nous faisaient les commentaires à la radio et j'entendais « Oh là là, il y a plein de brouillard. Oh, Jacques est passé. Oh là là, il est fou. Ah, ça y est, on le revoit, il est par là. » C'est affreux. Pour les femmes, c'est affreux. 100 kilomètres plus tard, dans la vallée de l'Ariège, Anquetil a refait tout son retard sur Polydor. Le mage est vaincu, la victoire dans le Tour peut sourire à nouveau. Anquetil a pris le maillot quand le 12 juillet à Clermont, le Tour arrive sur un volcan. L'arrivée sera jugée au sommet du Puy-de-Dôme. À 8 km du sommet, sur la pente à 13%, Jiménez se dégage. Bahamontes se lance à sa poursuite. Anquetil et Polydor restent seuls, face à face, soudés sur une même ligne. La France retient son souffle. Le duel, le grand duel tant attendu, a enfin lieu. Quel duel ? Il n'y a jamais eu de duel. Pourquoi ? Parce que Anquetil s'est mis à côté de Polydor, disant voir que... Il était bien, l'autre intimidé de Loire-là, il y a Jiménez qui est parti avec Bahamontes. On oublie qu'il y en a deux qui sont partis. Et on oublie que Polydor n'est pas parti avec eux. À 1500 mètres du sommet, Anquetil cède 1 mètre, 10 mètres, 30 mètres. Polydor écrase les pédales, les portes de la victoire s'ouvrent à nouveau. L'écart se creuse, 20 secondes, 30 secondes. Polydor jette ses dernières forces sur la ligne. Anquetil se casse dans un sprint désespéré. Polydor lui reprend 42 secondes, le compte n'est pas bon. Je vais avec la voiture sur lui, il tombe sur le capot, il me fait presque avant de s'évanouir, il fait combien ? J'ai dit, t'as 17 secondes d'avance. Il m'a dit, j'en ai 16 de trop. C'était ça, Anquetil. Une seconde. Il fallait une seconde d'avance à Anquetil pour partir derrière Polydor dans le contre-la-montre décisif de Versailles à Paris. Sur les 27 kilomètres, c'est Polydor qui domine la course. Survolté, le Limousin refait peu à peu son retard. 12 secondes au 5e kilomètre n'est plus que de 3 secondes au 20e kilomètre. La France entière est suspendue. Quand Polydor arrive au parc, la clameur est celle de la victoire. Tout le monde a dit, il a gagné. Et tout le monde se précipitait. Du reste, je trouve ça drôle. C'est moche quand un coureur comme ça croit avoir gagné. Vous avez tous les journalistes, tout ça, qui sont là autour de lui. Tout d'un coup, poum, hop, c'est pas vous, c'est l'autre. Alors là, poum, il reste tout seul, Benet. Anquetil a devant lui 5 km. Il est au pied du mur. Il est dans son jardin. Il sait qu'il est imbattable contre la montre. Il a la victoire du Tour.
Il a Poulidor devant lui. Il a les renseignements qui font qu'il a 6 secondes d'avance. Et c'est fini, c'est foutu pour Poulidor. Et Poulidor a fait une grande course. Alors là, oui, ça a été un grand duel. Anquetil traverse Boulogne en somnambule. Il enroule un braquet démentiel. En 2 km, il prend 21 secondes à Poulidor. Anquetil gagne son 5e Tour de France, le plus dur, qui marque l'apogée d'une rivalité de 6 ans avec Poulidor. Les rôles sont répartis. À Anquetil la victoire, à Poulidor les clameurs des foules. On n'a toujours cru pendant des années que Poulidor était gentil, parce que Poupou c'est une publicité pour la vacherie, Poupou. Hein, bon. Et Anquetil, c'est le parfum pour homme, Chanel homme, hein, le côté un peu glacial, prétentieux, qu'il n'était pas du tout. C'était un grand timide. C'était un timide, Anquetil. Paradoxe. Le coureur a peur de la foule, mais l'homme a sans cesse besoin d'une présence. Il ne pouvait pas être seul. Même sur le tracteur, en fait, des fois je monte sur le tracteur à côté de lui. Et même les week-ends à la maison, il fallait que tous les amis viennent. Lui, la fête, c'est lui. Sa famille, ses amis, chez lui. Il ne faisait pas la fête ailleurs. Son palais des fêtes, Anquetil l'a trouvé, à 35 ans, à la Neuville-Chandoisel, à 10 km de Rouen. Un petit château où vécut la famille de Guy de Maupassant. Attenant au château, une ferme, car Anquetil est resté paysan. Il entend exploiter lui-même les 275 hectares. L'homme sauvage dispose aussi de sa forêt. Le château est celui de l'amitié. Il compte 12 chambres et chaque ami a la sienne. Il était royal avec ses amis. Vous alliez chez lui, par exemple, c'était un seigneur. Le bar et le sas obligés. L'hôte est également chevalier du Tastevin. On a tué le cochon, on s'attarde à table, on reste sous le charme du maître de maison. La bonne vie. L'idée du doublé est celle d'un enchaînement. En 1965, aux 10 étapes du Critérium du Dauphiné, s'enchaînaient le soir même les 600 km de Bordeaux-Paris. Courir les deux courses à la suite, cette idée a germé dans l'esprit de Geminiani. L'exploit est impossible, seul Anquetil en serait capable. Mais comment amener le champion trop prudent à un tel défi, sinon en gagnant d'abord Jeannine ? Il dit, écoute, je te jure, Jeannine, je connais Jacques de A à Z. Mieux qu'il se connaît. Je te jure, c'est le seul truc qu'il doit faire, et c'est le truc qu'il va réussir. Alors je dis, il est fou. Raphaël est fou. Je dis, c'est toujours pareil, il a toujours des idées. Et il me dit, oui, puis je dis, l'enfant, tu peux pas le faire, ça c'est pas possible, c'est inhumain. Alors là, il me fait, ah ! Parce que tu penses que je pourrais pas le faire. Bah, j'ai dit, bah oui, je pense que tu pourrais pas le faire. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Mais d'ici, je pourrais le faire. Ah bon ? Alors c'est tout, j'ai téléphoné à Raphaël et puis j'ai dit, bon, bah, tu peux y aller, les tatapognes. 27 mai 1965, 8e étape du Dauphiné. Poulidor mène l'assaut. Anquetil a pris le maillot. La bataille pendant 10 jours est furieuse. Il gagne 3 étapes, s'engage à fond dans la pluie et le froid. Avignon, samedi 29 mai, 17h. Anquetil a gagné. Il était au bout de lui-même. C'est un homme mort. Cet homme-là ne va pas s'écrouler dans un lit. Il se dirige maintenant vers sa deuxième course, la course d'endurance la plus dure du monde. 17h20 à l'hôtel Crillon, 10 minutes pour dîner, un steak tartare, 2 bières.
17h50 avec Gemignani, le soigneur, le mécanicien. La voiture fonce jusqu'à Nîmes. Sur une banquette de l'aéroport, Jacques s'est fait masser. 18h30, départ pour Bordeaux. Le Mystère 20 a été prêté par le général de Gaulle, premier supporteur de Jacques Anquetil et secret complice de ses défis. Minuit, sur la ligne de départ à Bordeaux, sa décision est prise. Il m'a téléphoné deux ou trois fois en me disant surtout ne quitte pas la maison parce qu'il est complètement fou, j'ai une angine, c'est vrai, il commençait à avoir un mal à la gorge, il me dit j'ai une angine, je suis malade, cette nuit j'abandonne, tu restes à la maison surtout et tu viens me rejoindre. La course s'engage dans la nuit noire, la pluie ne cesse pas pendant 4 heures, le vent vient du nord, on ne peut pas lui souhaiter pire. Et puis venez, il devenait agressif, il dit c'est pas marrant leur truc, pas marrant, je me marre pas moi, tu comprends, je suis pas dans la bagnole. Hein. Et alors 4 heures du matin, 5 heures du matin, bon, et, oh, il va abandonner. Jacques Anquetil n'a pas encore abandonné, mais ça ne saurait tarder. Donc je restais à la maison. 7 heures du matin, Anquetil a repoussé jusqu'à l'extrême limite le moment de l'abandon. Il souffre trop. Il descend du vélo, rentre dans la voiture, il abandonne. J'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai mis plus bas que terre. Je ne répéterai pas les mots en mémoire de sa disparition. Et j'ai eu la réaction que je voulais. Quoi ? Moi ? Une tapette ? Un truc comme... Ah ! Louis ! En s'adressant au mécanicien. Descends mon vélo ! Oh. Oh. Je dis, c'est déjà mieux. Et il repart en pétard. C'est un ectoplasme, un fantôme décharné qui se change maintenant à 8h du matin à 400 km de Paris avec son équipier Stablinski. Châtellerault, la prise des entraîneurs. Les coureurs rouleront derrière Derny jusqu'à Paris. François Mahé attaque. Le Breton est courageux. Il prend 6 minutes, 7 minutes au peloton. Anquetil, le teint cireux, pédale dans la douleur. Son coup de pompe dure depuis 300 km. Simpson colle à sa roue, refusant de mener. Une attaque de Stablinski, c'est la carte de Gemignani. Stablinski qui l'a lancé à la poursuite de Mahé, dont l'avance fond peu à peu. Gemignani peut faire salver. J'arrive dans le peloton, je prends mon air le plus convaincant. Jacques, c'est fini, c'est venu. Il y a Stablinski devant, qui est en train de se fermer, et c'est lui qui gagne. Toi, reste dans la route de Simpson et neutralise Simpson. Simpson réagit, Anquetil est fichu, Stablinski est devant, il doit jouer sa chance. Et Simpson, derrière Vance, ta-ta-ta-ta, une séance de train, la Touraine, on a traversé ça à fond. Et Perrin-t-il s'est refait une santé, une séance de train. Il a éliminé la fatigue, il a éliminé la pluie, il s'est mis à transpirer, moi je l'ai vu, je dis ça c'est bon signe. On arrive à la vallée de Chevreuse, paf, regroupement. Ils sont quatre à pouvoir gagner, Stablinski, Simpson, Mahé, Anquetil. La côte de Dourdan, au bout de 500 km, les coureurs sont épuisés. Anquetil, lui, a 800 km dans les jambes. Sa journée compte 34 heures. Il a enfin trouvé le rythme. C'est lui qui prend la tête de la course. Il assure le train dans Versailles. Les trois autres se cramponnent à sa roue. La côte de Picardie, à 12 km de l'arrivée. Anquetil monte en régime. Il s'envole. J'avais l'impression par moment, dans la voiture, qu'il poussait le dernier. Tellement. Le dernier faisait un boucan, ça allait tellement vite. Gillon de Dupont qui tient le coup, il va prendre un piston par la gueule. C'est pas possible. Ça allait à 70 à l'heure. Et Jacques avait son allure des grands jours, il avait la tête rentrée dans les épaules. Et c'était beau. Après 18 heures de course, la victoire. Il a réussi l'impossible. D'un coup, le voilà populaire. On aime maintenant celui qui a repoussé les limites du courage.
Anquetil réalise, son défi n'était qu'une blague. C'est maintenant l'un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme. Moment unique, devant toute la foule, voici Anquetil qui pleure. Anquetil a mis un terme à sa carrière en 1969, après avoir battu à nouveau le record de l'heure. Il exploite maintenant sa ferme. L'été, il commente les grandes courses pour la radio et la télévision. Peu à peu, il se retire du monde. Il voyage toujours, mais chez lui, la nuit. Il observe le ciel, vit avec les étoiles. Il était omnibulé par ce ciel. Et il avait toutes ces cartes d'étoiles et tout. Et même quand il faisait moins 4 ou moins 5, on avait l'anorak et il fallait qu'on aille dehors voir les étoiles. Et c'était sa passion, ça. Il voyait très loin. Très loin. Peut-être parce qu'il avait peut-être pas beaucoup de temps. Il vit avec la nature. La nuit aussi, il part escorté de sa chienne et s'enfonce dans la forêt, parfois jusqu'à l'aube. C'était ça, son grand plaisir, c'était de prendre son phare et aller regarder les animaux. Et puis regarder, il entendait les sangliers, paraît-il. Cette année, ça m'a plu d'observer les sangliers et d'être à l'affût, pas pour les tuer, parce que ça ne m'intéresse pas. Non. La chasse, puis quand on est habitué à voir le gibier tous les soirs ou toutes les nuits, on n'a pas envie de le tuer. Et je me suis rendu compte qu'on approchait plus facilement les sangliers sans le fusil. Il n'aimait pas être seul, et là, il cherchait la solitude. À la fin de sa vie, il a recherché la solitude. Anquetil a 50 ans, une nouvelle compagne, Dominique, qui lui donne un fils, Christopher. Et puis, Jacques, un jour, comme il était très timide, il ne nous l'a pas dit, mais on trouvait qu'il avait une mauvaise mine. Mauvaise mine, comme quelqu'un qui fait une jaunisse, quoi. Et puis on a tout de suite su qu'il était gravement malade. Eh bien, le diagnostic a été formel, tumeur maligne, il n'y a pas d'erreur, on sait que c'est un cancer de l'estomac, il fallait enlever tout l'estomac. Jacques Anquetil, rien ne vous arrête? Il ne faut pas se laisser abattre, vous savez, dans les sportifs, on était habitués à se battre, et je crois que quand on est malade, même si on n'est pas malade, vous restez sur un lit d'hôpital allongé pendant 15 jours, vous êtes malade. Alors si on est malade, il faut faire un effort supplémentaire, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas s'écouter, et c'est ce que je fais. Il savait très bien ce qui l'attendait. Hein. Il est mort courageusement, mais en sachant et en bluffant encore, en disant aux autres, mais non, ça va s'arranger. Mais non, je vais m'en sortir. Pour moi, pour moi-même, pour les amis, maintenant, c'est plus un problème. Un cancer, c'est fini, c'est passé. J'espère que c'est du passé. Et ça fait partie vraiment du passé. 2 mois plus tard, Anquetil est emporté par le cancer. Seul le contre-la-montre est juste, disait-il. Il meurt à 53 ans. Anquetil s'est échappé. Le mystère demeure. Et je voulais défier tout ce qui a été dit sur le cyclisme pour devenir champion, pour ci, ça. Lui, il a tenu compte de rien. Il est resté, le cas unique, il est resté Anquetil. Alors il y a la question qui est posée. S'il avait fait comme les autres, est-ce qu'il aurait fait mieux ou est-ce qu'il aurait fait moins ?